Aujourd'hui, je vais me cacher dans une cabane secrète dans la forêt pendant 48 heures. Il y a quelques jours, la famille Ventura ont publié une vidéo dans laquelle ils ont construit une cabane secrète. Alors l'étape numéro 1 sera de trouver la cabane secrète dans la forêt. Normalement, elle doit sûrement être très bien cachée au travers des arbres, alors je pense que l'étape la plus dure sera de trouver leur cabane. J'ai laissé ma voiture à 1 km de leur maison et je dois juste espérer qu'ils ne la trouvent pas parce que s'ils la trouvent, ils vont savoir que je suis ici. C'est parti! Alors regardez, on peut apercevoir leur maison tout là-bas. Je suis littéralement sur un terrain privé. Mais pour vrai, j'ai aucune idée comment je vais trouver leur cabane. Ça va être trop dur. Oh non, les enfants sont dehors. Oh non, je sais pas si vous pouvez les voir. Oh non, regardez, ils sont sur la trampoline. Alors moi, je suis ici et mon but sera de me rendre dans cette zone où se trouve la cabane sans me faire voir par les enfants qui sont dehors. Ok, bon, allez, c'est parti. Alors, ils sont juste là-bas. Alors moi, je vais aller dans cette direction. C'est complètement fou. Oh là là, waouh. Il y a beaucoup trop de branches. Alors, normalement, leur cabane devrait être près d'ici. Mais là, je vois absolument rien. Oh non. Oh non, Ez me regarde. J'ai vu Ez regarder dans la forêt, mais il ne m'a pas vu. Allez, on continue. J'ai donc passé 30 minutes à chercher leur cabane secrète sans rien trouver. En tout cas, leur cabane est très bien cachée parce que je n'ai rien trouvé. J'ai même cru qu'ils avaient détruit leur cabane quand soudain... Oh, attendez, je pense que je viens de trouver quelque chose. Oh, attendez, c'est quoi? Oh oui, c'est leur cabane. J'ai passé littéralement 30 minutes à chercher au mauvais endroit, sachant qu'il était seulement à quelques mètres de moi. Oh, wow. Attendez. Je vais rester discret. Oui, Man est juste là. Je pense que je serais mieux d'entrer dans la cabane. Allez, c'est parti. Eh, la porte est beaucoup trop stylée. Waouh! Eh non, mais c'est trop stylé! Oh! Waouh! Attends, mais je suis vraiment dans leur cabane. Il y a même une télévision et une PS5. Ah! Attends, mais c'est trop cool! Est-ce qu'un télé fonctionne? Oh! La télévision fonctionne pour de vrai? Ça veut dire que je vais pouvoir jouer à la PS5? Eh non, mais il y a de l'électricité dans la cabane. Il est actuellement 9h du matin, ce qui veut dire que le 48 heures commence maintenant. Dans ce sac, il y a tout ce que j'aurai de besoin pour survivre pour les prochains 48 heures. Alors j'ai mon sleeping bag avec moi. Hop! Pour tous ceux qui sont abonnés depuis quelques mois, vous savez que j'ai récemment fait une vidéo dans laquelle je me suis caché pendant 48 heures dans une pièce secrète dans la maison des Ventura. Mais là, ça va être beaucoup plus dur car non seulement je dois être discret pour pas me faire découvrir, mais il y a aussi la pluie, les animaux, les moustiques. Bref, il y a beaucoup de choses qui pourraient ruiner mon défi. J'ai alors décidé de m'installer confortablement dans la cabane sans faire trop de bruit. Pendant ce temps, la famille Ventura n'avait aucune idée que j'avais réussi à m'infiltrer dans leur cabane secrète. Regardez ça, comment c'est stylé. Il y a des outils Minecraft ici. Il y a même des torches Minecraft sur les murs. Attendez, est-ce que ça fonctionne? Oh oui! Oh mais c'est trop cool! On va pouvoir les utiliser pendant la nuit pour voir dans la cabane, tu vois. Il y a même des chaises, une ici, il y a une chaise juste là. J'ai aussi apporté une longue vue. Regardez ça! Je vais essayer de faire un trou dans un mur pour les espionner. Peut-être ici. Ouais non non, ici ça va tomber. Oh ouais, peut-être là. Ici c'est une trop bonne idée. Oh mais c'est parfait! C'est vraiment l'endroit idéal pour avoir une longue vue. Oh oui, mais je peux les voir. Ce truc fonctionne pour de vrai. Attendez, je vais essayer de vous montrer avec mon téléphone. Ok, oui. Ah ouais, je peux les voir. Je peux littéralement tout voir avec mon téléphone. Il y a Ez qui fait sou. Ok. Oh non, il l'a envoyé dans la forêt. Oh non, il va venir. Oh non, il s'en vient. Il cherche le ballon. Je dois vraiment espérer qu'ils ne viennent pas dans la cabane. Sinon, je suis fichu. Eman est retourné jouer sur le sable. Par chance, ils ne m'ont pas vu. Ah, c'était vraiment chaud. Je pense que je viens tout juste d'entendre Prisla dire de venir manger. Il est actuellement 12h33 et Ez et Eman sont rentrés manger. Alors je vais essayer d'aller les espionner dans leur fenêtre sans qu'ils me voient. Ok, ça n'est parfait. Je dois seulement me méfier parce que là-bas, il y a un monsieur qui est en train de faire une construction. Ok. Oh non! Chut, il y a un chien. Je suis tout près de la fenêtre. Oh non, oh non, non. Je suis la petite est là. Putain. Oh, je suis regardé. J'ai failli me faire griller. Je vais retourner à la cabane.
Oh, ici, impossible qu'ils me voient. Ok, on a un très gros problème que je viens tout juste de réaliser. En espionnant la famille Ventura pendant qu'elle mangeait, je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié la nourriture et l'eau. Je suis trop con. Et en plus, je commence à avoir vraiment faim parce que je n'ai rien mangé depuis le début de la journée. Il y a des vieux biscuits. Eh, ça va très très mal. Attendez, mais qu'est-ce qu'on peut manger dans la forêt? Quoi manger dans la forêt? J'ai trouvé un article. Se nourrir de lombrics. Attends, quoi? Mais c'est dégoûtant, mais c'est un ver de terre. Les lombrics sont une source de protéines accessible en forêt. Non, mais... Non, attendez. Pas question que je mange un ver de terre. Je vais essayer de trouver quelque chose d'autre. Juste en dessous, c'est écrit se nourrir de larves. Oh, mais c'est complètement dégoûtant. Cet insecte est particulièrement riche en potassium, en calcium. Je m'en fous. Mec, je vais pas manger une larve. Attends, mais c'est quoi cet article? Se nourrir de cafards. Ah non, mais encore moins. Non, mais c'est dégoûtant. Non, mais je peux pas juste manger des feuilles ou je sais pas, de l'écorce. Non, c'est... Eh non, mais là, ça, c'est un très gros problème. Non, mais sérieux, les gens, je vais pas aller manger des larves et encore moins des cafards. Alors, évidemment, il y a une autre solution. Ça serait de m'infiltrer dans la maison des Ventura et de prendre de la nourriture. Mais c'est très, très risqué parce que toute la famille sont là. Il y a des gens qui travaillent sur leur terrain. Qu'est-ce que je fais, là? Ça va très, très mal. Non, mais sérieusement, j'ai pas le choix. Je vais pas commencer à manger des cafards. Je vais devoir m'infiltrer dans leur maison. Je devais donc attendre le moment idéal pour infiltrer leur maison. Mon plan, c'est d'attendre qu'elles quittent leur maison. Et lorsqu'elles auront quitté, je vais pouvoir m'infiltrer dans leur maison et prendre de la nourriture. Mais bon, je sais pas combien de temps que je vais attendre. Ah non, mais je suis vraiment idiot d'avoir oublié la nourriture. Et c'est seulement quelques minutes plus tard que mon vœu s'est exaucé. Je viens d'entendre Eman dire aux enfants qu'ils vont aller prendre une marche. Mais c'est parfait. Je dois vraiment juste attendre qu'ils partent prendre leur marche. Je vais me rapprocher tout doucement de leur maison. Ok, il n'y a plus personne derrière. Je vais vite. Oh, ils sont juste là. Oh oui. Je vais vraiment attendre quelques minutes qu'ils partent. Et par la suite, je vais m'infiltrer. Ouais, là, sont... Il n'y a plus personne. Ok, je pense que ça va être le moment. Évidemment que j'ai la clé pour entrer dans leur maison. Là, je dois vraiment trouver de la nourriture. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Oh, il y a plein de trucs. Oh, je vais prendre du jus. Du jus. Des saucisses. C'est parfait. Ça va être mon dîner de ce soir. Ça aussi. Ok, allez. Let's go. Allez, mission réussie. Oh non, mais attendez, j'ai si soif. Ah, ça fait du bien. Hey, j'avais rien bu depuis le début de la journée. J'étais complètement déshydraté. Là, ça rafraîchit. Il est où le petit jus orange là, les jours pêches? Ben, je sais pas, moi je l'avais mis dans le. L'as acheté hier? Ben, t'aurais pas donné le jus? T'es quoi ce matin? Bon, ben là-bas, je vais prendre de l'eau. Ben, c'est loin, quoi. Il est 18h26 du soir et pour le dîner, j'ai apporté ce qu'on appelle un réchaud. Ça va me permettre de faire cuire mes saucisses. Alors oui, je suis un génie. J'ai dit mes saucisses, mais ouais, je les ai volées de la famille Ventura. Regardez ça, je vais partir le réchaud. Alors regardez, j'ai parti ici un réchaud. Et là, je vais faire cuire les saucisses de cette façon. Voilà. Wouh, super. Je sais pas si vous pouvez entendre, mais la saucisse cuit pour de vrai. Eh non, mais pour vrai, je suis vraiment un génie. Sérieusement. Appelez-moi Willy Bed, le génie. En fait, j'ai tout pensé sauf à de la nourriture. Mais bon, j'en ai là. Regardez, je fais cuire des saucisses. C'est parfait. Devant la cabane. Pendant que la famille Ventura n'ont aucune idée que je suis ici. C'est merveilleux. J'adore ma vie. Ça sent trop bon. Je suis sûr que ça va être excellent. Ça va être le meilleur dîner du monde. Parce que c'est moi qui l'ai cuisiné. Appelez-moi Willy Bed, le cuistot. Non, Willy Bed, le cuistot. Les saucisses sont prêtes, ça a l'air trop bon. Ah non, mais c'est délicieux. Juste vous dire qu'il y a seulement 17% des gens qui sont abonnés à ma chaîne YouTube et qui écoutent mes vidéos. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous, ça prend 2 secondes. J'étais en train de manger tranquille, mais ce que je ne savais pas, c'était que les enfants venaient de sortir dehors et se rapprochaient de plus en plus de la cabane. Eh, pour vrai, ça fait du bien de manger. Attendez, ils arrivent. Attendez, y a les enfants. Il se rapproche de la cabane. J'ai pas vraiment envie d'aller dans la cabane, c'est grave, les enfants. On va-tu te balancer à la place? Oui! Oui. Chut, chut. Ok, les enfants, ils partent. Ok, bon, je pense qu'ils sont repartis. Eh, c'était trop chaud, j'ai failli me faire griller. J'étais sûr que c'était fichu. Pour le reste de la soirée, j'ai décidé de jouer à Minecraft sur la PS5. Tout se déroulait à merveille quand soudain... Oh,
La télévision vient de se fermer. Par chance que j'ai les torches Minecraft pour m'éclairer. Qu'est-ce qui vient de se passer? Attendez, je comprends pas. Attendez. Y a plus rien qui marche? Oh, y a plus d'électricité! Ils ont sûrement coupé de l'électricité par accident, mais en même temps, je les comprends. Ils ne savent pas que je suis ici, tu vois? Je ne vais pas voir. J'ai trop peur d'aller dehors. J'ai attendu quelques minutes sans faire de bruit et là je n'entends plus rien. Alors c'était sûrement une bête, un animal, je sais pas qui est passé dans le coin. Mais ouais, ça fait vraiment peur. Oh, et là en plus il n'y a plus d'électricité, regardez. J'ai seulement les lumières Minecraft. Allez, moi je pense que je vais aller me coucher, ouais. Il est actuellement 9h34. Je suis vraiment fatigué donc je vais aller dormir. Je suis dans mon sleeping comme vous pouvez voir. Bref, on se retrouve demain. Je viens tout juste de me réveiller et regardez ce qu'il y a. Mais wesh, il y a une poule. Quoi? Il y a littéralement une poule dans la cabane. Mais juste pourquoi? Je sais que les Ventura ont des poules, alors c'est sûrement une poule qui s'est enfuie et qui est venue se réfugier dans la cabane. Mais qu'est-ce que je fais? Salut. Salut toi. Oui, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais avec la poule? Je dois absolument avertir les Ventura. Mais en même temps, si je les avertis, mon défi sera complètement ruiné. Eh, hey, je sais vraiment pas quoi faire. Non, mais je peux pas laisser une poule seule dans la forêt. Il y a des animaux et elle pourrait se faire manger. À ce moment, j'avais deux options. Soit que j'abandonnais mon défi pour avertir la famille Ventura qu'une poule s'était enfuie, ou soit que j'allais continuer le défi avec la poule. Allez, viens. Pour vrai, je n'ai pas envie d'abandonner le défi à cause de cette poule. Je vais devoir continuer le défi avec cette poule. Sérieusement, c'est quoi ma vie? Je me réveille et il y a une poule dans ma cabane. Je peux pas la laisser comme ça tout seul. Je vais devoir construire un enclos parce que sinon, ben, elle va s'enfuir et elle va se perdre et ouais, se faire bouffer littéralement par des animaux. Je dois lui trouver un nom. Je pense que je vais l'appeler Roussette. Ouais, Roussette. Ah oui, c'est parfait ça comme nom. Bon, hey Roussette, reste ici, d'accord? Tu restes dans la cabane? Bah moi, je vais aller te construire un enclos. Ouais, t'as compris? Ouais, bon, je pense qu'elle est trop occupée à manger. Je sais pas trop. Allez, reste ici toi. Bon, allez, on va fermer la porte pour qu'elle ne s'enfuit pas. Alors premièrement, je vais essayer de ramasser plein de petites branches comme celle-ci et les planter dans le sol pour faire un enclos. Et je dois faire tout ça sans me faire griller par les Ventura. Leur maison est juste là. Ouais, c'est très très chaud. Bon, j'ai officiellement terminé l'enclos, je vous montre ça. Eh non, mais c'est parfait. Pour vrai, je suis vraiment fier de mon travail. Alors maintenant, je vais aller chercher la poule. Ok. Moment de vérité. Allez, tiens, voilà. Oh oui. Est-ce que t'aimes ton nouvel enclos? Eh non, mais c'est trop cool. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça mange une poule, donc j'ai fait une petite recherche sur Google et j'ai trouvé en fait que les poules, ça mange des plantes, tu vois, des feuilles. Je vais essayer de lui donner des feuilles pour voir si elle va les manger. Des feuilles comme ça. Tiens, t'es rapporté de la manger. Voilà, tu t'aimes ça? En vrai, je pense qu'elle s'en fout complètement des feuilles. Regardez. Ah non, mais c'est quoi ma vie? Je suis en train de m'occuper vraiment d'une poule. C'est une blague, ouais, c'est vrai. Oh, regardez, elle mange les feuilles. Ah oui. Oh oui, elle aime ça. C'est bon, miam miam miam. Oh, c'est le camion des Ventura. Je viens de voir le camion des Ventura passer dans la rue. Ça veut dire qu'ils ne sont plus là. Alors j'ai une idée. Je vais aller sauter sur leur trampoline. Y a plus personne. On va sauter. J'ai débarqué de la trampoline parce que je pense que j'ai entendu un camion. Oh, il est là. Je les ai vus. Non, vite. Allez, je suis de retour à la cabane. Salut Roussette, ça va? Ah, on est vraiment bien ici. Ça sent mauvais. Oh, regardez ce que je viens de voir. Mais c'est dégoûtant. Il y a littéralement un caca sur mon sleeping. Bon, ça doit sûrement être un animal qui est venu faire caca ici. Ouais, c'est sûrement parce que ouais, j'ai un peu de nourriture, tu vois. Non, mais sérieux, là, j'ai plus de sleeping. Ah, misère. Ok, je dois me débarrasser de mon sleeping. Je ne pourrai pas l'utiliser cette nuit. C'est horrible. Je dis ça presque à chaque vidéo, mais c'est l'une des vidéos les plus dures. J'ai essayé de nettoyer un peu le sleeping et je l'ai rentré dans ce sac. Je vais le mettre ici et je vais le reprendre à la fin du défi pour le nettoyer. J'ai passé le reste de la journée près de la cabane secrète en compagnie de la poule. Ça devient rapidement ennuyant d'être seul dans la forêt, mais par chance, il y a Roussette avec moi pour me tenir compagnie. Mais oui... Pour vrai, je pense que je commence à aimer Roussette. Après la tombée de la nuit, je suis rentré dans la cabane. Il est actuellement 21h12, et comme vous le savez, je n'ai plus d'électricité depuis hier, sauf pour les petites torches Minecraft, puisqu'elles fonctionnent avec des batteries. Regardez, je peux l'éteindre et l'allumer. Pour vrai, je suis fatigué, mais je n'ai plus de sleeping. Alors la seule solution, ça va être de dormir
sur mon sac. Ouais, bon, ça va pas être très, très confortable. Ouais, comme ça. Je sens que je vais passer la pire nuit de ma vie. Bon, allez, ce 48 heures est bientôt terminé. Je ne dois surtout pas abandonner. J'étais sur le point de m'endormir quand, tout à coup, je me suis fait réveiller par un hurlement de loup. C'est quoi ce bruit? Oh non, il y a des bruits de loups. Est-ce que vous entendez ce que j'entends? C'est littéralement des loups. Oh non, non, ça, je peux pas, par exemple. Non, non, ça, je peux pas. C'est sûrement un loup. Oh non! Oh non! Attendez, je sais pas si vous avez vu. Il y avait un loup. Il y avait un loup. C'est quoi? Oh, je savais depuis le début que tu nous espionnais. Oh, mais vous êtes les pires. Eh non, mais j'ai eu la peur de ma vue. Eh, j'étais sûr que j'allais mourir. Attendez, mais là, la poule. Roussette. Non, la poule est à la maison, là. La poule est en sécurité? Oui. Ok, bon, c'est tout ce qui compte. Ah non, mais pour vrai, je vais devoir me venger. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Abonnez-vous et moi, je vous dis à la prochaine. Peace out, tout le monde. Arrêtez, j'ai trop peur.